Au calendrier du Rougeur cette semaine, nos équipes de basketball seront à Montréal jeudi soir pour un programme double face aux Citadins de l'UQAM qu'il sera possible de visionner en webdiffusion. Football, place à la Coupe Vanier ce samedi à compter de 13h. Le Rougeur tentera de remporter un deuxième titre national consécutif, le 10e de son histoire face aux Mustangs de Western en direct du Tim Hortons Field de Hamilton. Suivez les comptes de médias sociaux du Rougeur ce week-end pour une couverture spéciale de l'événement et ne manquez pas la partie sur les ondes de TVA Sport et Chiz 94.3. En soirée samedi, l'amphithéâtre Desjardins Université Laval sera le théâtre d'un programme double de volleyball bien spécial. D'abord à 18h, duel féminin entre le Rougeur et les Citadins de l'UQAM, puis à 19h30, les hommes de Pascal Clément reçoivent de la grande visite, l'équipe canadienne de développement. Procurez-vous vos billets au 88-656-PEPS. L'équipe féminine de volleyball jouera également dimanche après-midi à Montréal, un duel contre les Martlets qui pourra être vu en direct en webdiffusion. Natation, pas une, mais deux coupes universitaires seront disputées ce week-end, toutes dans la piscine de l'Université de Montréal. La troisième samedi, la quatrième dimanche. Ce sont les deux derniers tests de la saison avant le championnat provincial. Enfin, l'Université de Montréal accueillera également la troisième compétition par équipe féminin et masculin de badminton du RSEQ. Le Rougeur tentera de conserver sa fiche immaculée, lui qui n'a pas subi de défaite lors des deux premiers rendez-vous. Pour tout savoir sur les performances du Rougeur cette semaine, ne manquez pas la prochaine édition du Rougeur Express ce lundi. Détails sur Facebook, Twitter et au rougeor.ulaval.ca.